et déclarer fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ne voulez-vous pas venir à moi pour avoir la vie éternelle? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs en Christ, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, nous sommes assemblés pour célébrer avec toute l'Église le souvenir de la glorieuse résurrection de Jésus-Christ. Humilions-nous pour la faiblesse de notre foi, de notre charité et de notre espérance. Ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent. Purifie nos cœurs afin qu'ils soient le sanctuaire de ton esprit. Frère Maxavio, amis, auditeurs, internautes, Radio Respiration FM, en nous levant que nous en haut et en nous chanter à la gloire de Dieu, dans le cantique Jésus ressuscité, à que nous plein joie, tout partout n'a chanté, n'a rendu les gloires. Jésus ressuscité, libre nous la vie, et dans l'éternité, n'a avec lui. Lui qui est sorti dans ton beau, il est sauvé vivant et tout puissant, pour jamais, il gagne la victoire sous la mort, éternellement la veillée à Saint-Lio, Christ vivant, Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Moi, invitez-nous, mettez-nous debout, Frère Maxonio, pour nous chanter avec joie et consécration. Trois versets, cantique Silla, qui chita dans le numéro 104. Chant d'espérance, section créole.
Des psaumes 117 et 118. Et après, on va chanter deux psaumes de Gémeaux, 31 et 117 et 118. Alternativement. On va lire le verset 29 de 118 ensemble. 117 et 118. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours.